Chefi Andi Ladio Muzulu. Munazola kwa ste mwana yetata mwanda virela. Nzambi etu seda nkenda seda wala kazi papa Simon kiumba onkiangani. Unu ilumbu kia nene utuveni kwa beto bana kunti antangu. Muna 1921 papa baku sevela kadinkunga kamia kalamia vetoko. Kansi le 18 mai 21 papa. Ngeye wa songa kia kwele endo. Ngeye vo silo awa zuli ya mwono kimbangu. Ama kesa maisu mkunga wabaka mkuma kia luvuva mwye kie. Kese mbetu bakwebana. Lumwe kia uno talabi mfuka vya mingimbidi. Bizi li mkufutu ila matondo. Kadi lawuli ya mpwena tuwa tabu la beto mkanda ndombe. Ngenza mbetu wakisense kakwa beto. Talebili kia mkunga tata. Zimba siza kubafila kwa beto. Uunweki, tuzu yindu la lumbo iki aludizume. Mi yimbi nisiba yimbi la tata tukulombele. Nyan tukula programe yeto nyo akala yeto wafuluweki. Na teye kuna tumadisina. Bika wakulumu na mba siza kuza mazulu zozivana ngakunga miyaku tata. Ba yimbi la yebeto wafuluweki mkusonga kiese yenkembo. Kitu fetu kuvana papa tumpasibana. Tubwanga mumbiza mpila mumpila. Katu vwidi le kwako. Kansi tuizidi. Wa ukina vwengwa tufila kunti antangu. Tuzasade salu kiangeta ata mwanda velela. Bika wa yidi kandinga ya mwana ku. Mosi mosi. Wa wae zuja bana baku. Baku yangiri kamulumbu iki ya unu. Kadivo muna 21 ya kadia mpasi. Unu iki ya kiese. Kanda ndombe. Ututela mese tupone kene bantu kunti antangu papa. Kitu fwiti kuvana, sukula ntima mieto, tuwa pemba na imfula ya mpembe, pasivo muna ntangu wa nsuka, tuwa fwiti kwa vana fukulu kieto kia miyimbi, tito kuyimbi ilanga bunso, mbasi kuyimbi ilanga papa. Ngia ntukula program, tukuboke na timu kwa tumanisina, wakala yetu vafulu ya kingeye kibeni, watudia tisa mkumbwa se, mwana yetata mwanda vila, tulombilanga baonso no, amen. Nous allons à présent inviter le révérend Diloubendi, évangéliste national, à venir lire le psaume et faire une courte exhortation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons prendre nos Bibles pour lire le psaume de David. Nous lirons le psaume de David,
chapitre 100, de 1 à 5. Et après, nous lirons les 10 commandements de Dieu. Si nous avons nos Bibles, lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous allons lire les commandements de Dieu dans le livre d'Exode, Exode 5, de 1 à 21. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu. Et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour les sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne,
ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Papa Simon Kimbangu nzambe na biso. Papa topesi obotondi bolingo na yo ezali na sukate. Poete yo kobongisa likambo na yo epai ya bana na yo. Mokolo na lelo lingaki yo te biso na kati na mokili na France to kwa kosangana. Ponda kokanisa mokolo monene oyo yo sina ikopesa biso. Mokolo monene oyo lakisaki monene na yo na kati na biso pe na kati na mokili. Kolakisa te yo zali nzambe. Yangwa na papa to sangani na tango to tangi mokanda na yo. To bengi yo ya po eto pesa biso bososoli na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Ba tata na ba mama. Biso banso to yoki psom to tangi. Psom oyo ezali psom ya appartenance. Biso to zali ba ponami. Ba ponami ya tata nzambe. Biso tozali ba angelu o to utana ye na likolo to kitana ye na kati na se. Ye apesa na moko moko na kati na biso mosala oyo ya ye. Po ete nzambe akopesa kana moto na moto likabo na ye, na moto na moto talent na ye, na moto na moto mosala na ye. Lelo yo ezali mokolo monene koya na biso na kati na esika oyo ezali mokolo ya mapamboli ba tata na ba mama. Po na kokanisa mokolo oyo ya le 18 mai 1921. Oyo yo nzambe alakisaki bokasi na ye. Bokasi na ye ya kofongola ba ekluse ya likolo. Les ekluse spirituelles po na kokitisa ba nzembo. Kolakisa moto te ye azali nzambe. Ba nzembo oyo tokoyembaka ewutaka na likolo na ba ange. Akokitisa kona ba inspire po ete biso to sanjola kombo na ye. Toko sanjola ka kombo na ye po tozali bandimi na ye, po tozali bana na ye, po tozali peuple na ye, po tozali na kati na elanga na ye. Yangwana tata mama mokolo ya lelo eza mokolo ya mapamboli. Po ete biso banso toko tombola mingongo na biso po na kosanjola nzambe na biso. Na maye manso oyo ya sadeli biso. Libondeli ya mama evangeliste e lobi nyonso. Yangwana batata na ba mama. Tika ete tata nzambe ye moko na mokolo na lelo ndenge tozwi yango na kati na Deutéronome. Aujourd'hui, nzambe afungola mingongo na biso po to yembela ye na esengo. To pesa ye esengo. Poso ki nzambe azwi esengo, biso tozwi mapamboli. Koya na biso na esika o ezali ya pambate, mingongo na biso etombwama, epesama, nzambe asepela, biso tozwa elonga na yango na kombo ya tata, mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Totele mapona robondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nzembo. Amake samarungiri lubanteronino deux trois amake samarungiri lubanteronino quoi sous le sabour Amake samalungini, luwa terwanira, kwa yi sulu samburwa.
Merci, cher révérend, pour cette courte mais riche exhortation. Parmi les richesses de l'église kimbanguiste, on peut aussi compter son patrimoine musical. Ce patrimoine musical accompagne l'église dans tous ses sacrements et tous ses rites, mais comme dans toute organisation qui se veut respectable, la gestion du patrimoine musical est confiée au sein de l'église kimbanguiste à une direction, la direction des chants et chorales, qui a pour principale mission, notamment de répertorier et organiser les cantiques kimbanguistes, qui se comptent aujourd'hui par milliers, mais le cas échéant, aussi, de censurer leur exécution par des groupes. Nous allons donc inviter à présent, au nom de la direction des chants et chorales, la directrice nationale adjointe en charge de l'administration et finances, pour dire son mot des circonstances à l'occasion de cette journée consacrée à la chanson kimbanguiste ou au chant kimbanguiste. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs, je vous prie de recevoir, au nom de l'Église, ici présente et de la direction des chants et chorales, nos salutations fraternelles. En effet, si nous sommes réunis aujourd'hui, samedi 18 mai 2024, c'est pour célébrer le 104e anniversaire de l'un des canaux de diffusion du message divin. Ce canal n'est rien d'autre que la chanson. À travers cette célébration, le chant religieux et particulièrement le chant kimbanguiste est mis à l'honneur, les chants des anges dont on voudrait montrer non seulement la spécificité, mais aussi et surtout retracer l'histoire. Depuis le début du ministère de Papa Simon, dans un esprit de parfaite harmonie et d'amour pour le développement de l'épanouissement du chant et du message kimbanguiste à travers l'Europe et le monde. C'est Dieu qui fait pousser ce que les hommes sèment. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas remercier notre chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kyangani, qui a rendu cette rencontre possible. Qu'il en soit de même pour tous ceux qui se sont sacrifiés nuit et jour et dont certains se trouvent actuellement dans d'autres paroisses et qui, dans leurs efforts, ont fait que l'anniversaire d'aujourd'hui soit une réalité palpable. Que tous et chacun en particulier trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie. À présent, pour commencer notre cérémonie, nous allons très respectueusement convier le révérend Simon Wangani, conseiller au cabinet du chef spirituel en matière scientifique, à venir ouvrir officiellement les activités liées à la célébration de cette journée. Révérend. Au nom du Père, je déclare officiellement ouvert la journée du 18 mai consacrée à la chanson au cantique kimbanguiste. Voilà. Donc prions. O kombo ya tata mwana pelimosantu, tata nzambe nkolo yesu, papa simon kimbangu kianga nzambe molimo mosantu. Papa qui se loquait les papas d'Yanunga, na papa d'Yangenda Kuntima, ben voilà, ben Zambé Nanga. Boba Tela Kibiso, je boutou mobimba papa. Bobombi Bisoti, les lots, promis na mokolo ya lelo, les 18, et Zamokolo Mounen, et papa Simon Kimbang. Les 18 mai 1921, et Zalaki défi, 18 mai 1921, Zalaki défi Mounen, et Ponayo.
ndenge ba pimela kio ba rekeya ba cantique na vula na ngombe lutete mais yozali nzambe o invoka ki likolo efongwa maki papa mukoko Jean aswa ki premier cantique banda wana ti leloyo banzembo banzembo esopana esopana na lingomba na biso papa Simon Kimbao Bible ya tata nzambe ezali ancien testament Bible ya tata ya kolo Yesu ezali nouveau testament Bible ya yo tata molimo mosantu ekozala constitué essentiellement na ba cantique inspiré et biso motoko koma yango et tozali kokoma yango papa zala na biso tozali na mboka France papa lelo ezali 18 mai na mikolo na bino na mikolo ba fête likolo efongwa maka papa Kanisela bakimbangi se nyonso ya monde entier et biso en particulier au yebi demande ya moko na moko au pesa biso répondre biso et notamment ba inspiré et puis na ba choriste na bino ba saliawa journal lelo to tchango na maboko na yo soirée à lelo pe to tchango na maboko na yo to e bandeliti suka ezala na maboko na yo to sukisi boyo komboa tata mwana pe li monsanto amen Après les différentes allocutions que nous avons eues ici, nous allons maintenant passer à la partie artistique. Donc nous allons convier les chorales à venir prester. Mais la première chorale à passer devant nous a une histoire. Nous sommes là en 1972. Après son retour d'une mission en Suisse, maman Kankou va faire rapport à papa Diangenda Kuntima de ce que l'aura vu pendant son séjour, pendant tout son séjour en Europe. Et aussitôt, papa Diangenda va décider ou va instruire à maman Kankou de se retirer avec un groupe de 26 jeunes filles. Dans la périphérie de Kinshasa, à Lutendele précisément, pour une expérience spirituelle unique, la retraite spirituelle. Mais cette expérience avait aussi été rééditée en 1973, cette fois-là avec les jeunes garçons. Mais la particularité de cette retraite spirituelle, c'est qu'au cours de cette retraite, essentiellement consacrée aux prières, et à la méditation, différents cantiques ont été captés. Et c'est grâce, notamment à ces jeunes gens, que nous avons eu la chance, où ça a été révélé au public, des chansons ou des cantiques captés dans des langues peu commodes, qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter, à l'instar d'Oshingai ou Alelouchash, une chanson chère à papa Diangenda Kuntima. Mais de retour de la retraite spirituelle, ces jeunes gens avaient émis le vœu de commencer à chanter au cours des cérémonies ou au cours de différentes activités de l'Église. Mais ils n'avaient pas une appellation commune. Les jeunes filles, c'était les JL, jeunes de Lutendele, et les jeunes garçons, c'était les JB, jeunes de Bisika. Mais pour une chorale, il fallait un nom commun. Et finalement, c'est papa Kisolokele Lukelo qui va trancher. Il va appeler autant les jeunes filles que les jeunes garçons, chorale des enfants kimbangistes, la Koreki, selon la configuration qu'on a actuellement. Cette chorale a une mission particulière, d'intercéder pour l'Église, mais aussi pour le monde. C'est pourquoi la particularité de leurs chansons, c'est souvent des chansons soit de méditation, de supplication,
ou des chansons qui nous appellent souvent à nous retirer et à méditer. Et pour ce faire, nous allons tout de suite convier la grande chorale de la Koreki à venir nous rejoindre sur le podium. Je vous prie de leur réserver une ovation à leur entrée. Koreki, à vous le plateau. Applaudissez pour la chorale de Koreki, la chorale de la Koreki, la chorale des enfants kimbanguistes sous la direction du maestro Salomon Lissika.
La grande chorale de la Port équipe. Deuxième chanson, Nako Bombama Lissoussou T. Yes, sir.
Applaudissez pour la chorale des enfants qui m'agissent. Ils vont s'apprêter à partir. Il faut les accompagner avec vos applaudissements. Allez tout le monde. Solo. Encouragez la chorale des enfants qui m'agissent. Vous pouvez aller encourager la chorale. Applaudissons pour la chorale qui... Molole, 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 molole. Merci Koraki. On va inviter une deuxième chorale. Mais l'histoire de cette chorale, il faut remonter à 1921. Papa Simon Kimbangu, durant tout son ministère, avait un témoin privilégié. Ce témoin privilégié n'était autre que son fils, Papa Kisolokele. Papa Kisolokele avait un fief. Son fief, c'était l'Europe, principalement la Belgique et la France aussi. C'est vraiment en Europe qu'il s'est battu pour essayer de répandre ou de travailler pour l'expansion de l'œuvre de son père, notamment ici en France, en prodiguant des conseils aux jeunes et à l'église naissante qui venait de s'installer en Europe. Mais on va se remémorer qu'un certain 10 février, je dis bien, pas le 12, mais le 10 février 1984, un groupe de jeunes qui avaient l'habitude, pour des circonstances, de se constituer en chorale, avait finalement décidé de rendre
honneur à cet homme d'exception, qui n'est autre que Papa Kisolokele. Et pour le faire de la plus belle de manière, et le graver dans la mémoire collective de manière indélébile, ils ont décidé de donner le nom de Papa Kisolokele à leur chorale, sous l'impulsion notamment de Papa Kibwanda et d'autres personnes, Papa Kinkalamboté, on peut citer cela. La chorale Papa Kisolokele a commencé à exister. Nous allons donc convier cette chorale, des élégants jeunes hommes et de vieux hommes aussi, parce qu'ils ont pris de l'âge, à faire leur entrée et nous proposer ce qu'ils nous ont concocté pour cette journée de la chanson kimbanguiste. La chorale Papa Kisolokele, à vous le plateau. Applaudissez pour la chorale Papa Kisolokele. Wangem vanga me puluzu amwera be tsundilu dondumbele ndididi wangem vanga me puluzu amwera be tsundilu dondumbele. Mpuluzu amwela me Tsundilu dondombele. Admirez cette tenue, ils sont élégants. Kwange mpanga me Mpuluzu La chorale Papa Kisolokele sous la direction de Papa Richard Ouabeto. Mono, get it,
Applaudissez pour la chorale Papa Kisolokele. Noël, Noël, allons-y tous les glorifier.
Alléluia, 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 alléluia,
Accompagnez-le avec des applaudissements. Merci chorale Papa Kisolokele. À leur tour, ils nous ont aussi émerveillés. Très belle prestation. Mais nous continuons notre bonhomme de chemin. Le groupe que nous allons convier tout à l'heure est atypique. Atypique par sa forme, mais aussi par la générosité des profils qui composent sa chorale. On y retrouve autant de choristes et de dirigeants, des acteurs de la GTKI, des musiciens de la FAKI ou de FLUKI, des scouts, voire même de protocole et des SPC. Mesdames et messieurs, je vous convie à accueillir avec applaudissement la chorale de la FAKI. Thank you.
Thank you.
avait finalement eu sa reconnaissance officielle. C'était un 24 décembre 1959. Nous avons le privilège d'avoir des témoins vivants parmi nous, dont Mama Révérende Pasteur Anne Kana, qui faisait partie justement de ce groupe, de cette délégation. Elle était l'une des trois filles chargées de remettre des colombes à Papa Diangienda Koutima. On a énormément de chance d'avoir ces genres de personnes parmi nous qu'il faut côtoyer parfois pour connaître et maîtriser l'histoire de l'Église. C'est des véritables trésors humains vivants. Donc nous devons être fiers d'avoir des personnes comme ça. Ce groupe n'est autre que le groupe théâtral Kimbanguiste. Un groupe théâtral, mais aussi un groupe, une chorale comme tout autre. Nous allons à présent convier le groupe théâtral Kimbanguiste à nous rejoindre pour leur prestation. Place donc au groupe théâtral Kimbanguiste, direction nationale. Ils sont bien dans leur élément. Bien dans l'art dramatique. Ils vont sûrement nous proposer quelque chose. Suivez attentivement. Théâtral Kimbanguiste, ils vont certainement nous offrir un spectacle ici. Ils sont dans leur élément, le théâtre. Accompagnez le groupe Je te kiffe. Thank you.
Applaudissez pour le Jeteki, une entrée digne d'un film d'Hollywood. Ça, c'est leur affaire. C'est notre Hollywood. Le groupe théâtral Kibanguiste sous la direction de Papa Childéric Mpango.
Papa Chiléry Pangou, comme on l'aime bien, danser du palais. Thank you.
Masia
Chepuki. Déjà s'apprêter à sortir et à laisser place. Papa, c'est moi qui manque. Papa, c'est moi qui manque. Papa, la douceur. Continue à me sentir. Papa, c'est moi qui manque. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là.
Le groupe théâtral Kimbangi s'apprête à sortir. On va les accompagner avec... Théâtral Kimbangi, Papa Chido. On s'apprête déjà à sortir. On va déjà s'apprêter à sortir. Il y a notre groupe derrière vous. Merci.
te mosala oyo mangani ta etali yango dote tena yango na dikolo boyi ya kote pilote mosala oyo mosali kosala ezali yango tote utana yango na dikolo boyi ya kote pilote mosala oyo mosali kosala ezali yango tote utana yango na dikolo boyi ya kote pilote mosala oyo mosali kosala ezali yango tote utana yango na dikolo boyi ya kote pilote mosala oyo mosali kosala ezali yango. Applaudissez-vous le groupe théâtral qui manifeste.